Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve car notre ami Luxion a atterri dans le hub comme tous les 15 jours, voilà, pour changer. Donc on va voir si cette fois-ci il nous apporte un ou deux trucs sympas ou s'il est aussi pourri que celui de la semaine dernière. Bon, il y avait les emblèmes quand même avec lesquels on pouvait se faire pas mal de thunes. Alors, il y a une monture, une première monture où il a l'air pourri. Il est pourri, il est tout pourri. Donc, il est tout pourri. Alors, la monture cycle vapeur. Alors, la monture cycle vapeur. Cycle vapeur, il est là. Donc, c'était une monture que Luxion nous proposait déjà d'acheter à une époque. Donc, voilà le cycle vapeur. C'est une moto un peu steampunk. Hop, vous voyez, elle est là. Elle va faire une petite pause en cabrant. Hop. Voilà. La cycle vapeur, vous pouvez l'acquérir pour 70 écus de dragon et vous pouvez en acheter autant que vous voulez, voilà, et les revendre ensuite. Alors le trèfle qui brille, alors le trèfle qui brille, je me rappelle de ce trèfle, c'était un trèfle qu'on pouvait recevoir à la fin d'une suite de quêtes, sans doute de l'an dernier, de la Saint-Patrick. Faire tout l'event pour ce trèfle, donc ça c'était vraiment pas top. Donc je me rappelle de lui. Qu'est-ce que tu vas nous apporter en stats? En stats, il nous apporte 7% de vitesse d'attaque et 1,5% de coupe critique. Voilà. Donc vous avez vu le skin. Bon, c'est une petite fleur. Elle peut danser, bien entendu. Hop, hop. Ensuite, la tentacule tranquille. Alors la tentacule tranquille, elle aussi c'est un allié d'event, il me semble. Et elle donne en stats 3 énergie maximum et 15 points en régène d'énergie. Donc on va voir à quoi elle ressemble. Alors la tentacule est super mignonne en fait. Il y a un clin d'œil, je pense, il y a un clin d'œil direct au jeu Day of the Tentacle, qui est un vieux jeu. Voilà, mais il y avait une tentacule un peu comme ça qui voulait conquérir le monde. Et voilà, je pense que la ref, il y a une petite ref, il y a un petit clin d'œil. Ensuite, la monture Dynamite Blizzard. C'était une monture d'événement aussi, donc qui vole une monture. Voilà, c'était. Bah oui, c'était peut-être marqué une monture. Bon, voilà, c'est un petit. C'est un papillon, ça? Je sais pas. C'est un truc qui vole, peut-être un papillon de neige. Voilà. Et pour finir, donc un trophée mural, what the fuck, encore, ces trophées muraux, on n'en peut plus. Les planques de style de Luxion, ça, on n'en a toujours pas besoin, il n'y a pas de nouveau style. Ah, si, il y a un nouveau style chez Luxion. Donc ça, donc il y en aura plus que. Et on va voir. Non, il y avait juste un nouveau style d'un nouveau style. Donc, ok, super. Vous pouvez avoir un rêve de diffuseur 3. C'est un allié qui ne vous rapporte des stats au hasard, mais aucun point de maîtrise. Et des âmes de dragon de la réserve dorée pour pouvoir crafter le dragon Luxarion. Que vo voici qui est bébé Luxion. Donc, et pour savoir combien vous avez d'âmes, hop, vous allez dans vos badges et vous regardez à combien vous êtes en âme de dragon, tout simplement. Hop, P, badge, évolution de dragon, voilà, ça va être évolution de dragon. Et là, vous voyez, vous prenez hop le dernier et vous voyez que vous êtes à 100 âmes sur 5. Alors, pour moi, donc vous, il y aura le chiffre juste avant. Voilà. Donc c'est fini pour cette présentation de notre ami Luxion. Pas terrible, hein, pas terrible du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Donc je vous souhaite bon jeu à tous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon courage, bon jeu à tous. Et voilà, à très vite. Ciao tout le monde. Bye bye!